Bon, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller en grève de la faim parce que nous avons 9 mois d'arrêt de salaire. Avant d'aller en grève de la faim, nous avons rencontré toutes les hautes autorités de ces pays. Malgré tout, on n'a pas eu gain de cause. Même les leaders religieux, on a rapproché même les leaders religieux. Malgré tout, ça ne va pas. Tout ce qui, même le conseil économique et social, le président du conseil économique et social, on a été le voir. On a été à l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré le cardinal Jean Zerbeau. Nous avons rencontré le médiateur de la République par rapport à ce problème. Malgré tout, on n'arrive pas à rentrer en possession avec nos salaires. Alors, nous voulons uniquement que l'État respecte ses engagements. Vous savez que le chemin de fer, c'est une entreprise binationale. Le Mali, si je dis binationale, c'est le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, les Sénégalais sont, l'État sénégalais est en train de payer les aides du Sénégal. Mais pourquoi pas l'État malien n'arrive pas à nous payer? Et pourtant, ils ont tous signé les engagements ensemble. C'est pour cela que nous demandons à l'État malien de nous payer comme nos collègues sénégalais sont en train d'être payés.